ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ça c'est bizarre, ça c'est flamme. Oh, doucement mon pote. Doucement. Hey, salut tout le monde, c'est Rookie. Aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo sur la Ftac Recon, qui est un fusil de combat que je croise peu souvent honnêtement sur Warzone, mais qui est sous-coté je pense. Un de ses plus gros défauts c'est sa capacité de chargeur, 15 balles max, mais du coup ça en fait une arme qui peut être potable pour le solo. Et par contre son avantage principal c'est les dégâts. Les dégâts qui sont quand même incroyables. Un autre inconvénient qui n'est pas forcément si vous êtes à l'aise, mais c'est le fait que ce soit du coup par coup. Une arme donc du coup semi-automatique. Alors il y a la possibilité de le passer en automatique, je vous le déconseille fortement, ça augmente énormément le recul de l'arme. Moi perso le coup par coup ça me dérange pas, j'ai une scuff comme manette, donc les gâchettes sont un peu comme des clics de souris, on peut les bloquer, donc c'est pas très dérangeant en termes de cadence, j'arrive à ne pas trop perdre. Pour ce qui est des joueurs manette souris, ce sera probablement plus facile à jouer qu'une souris, tout ce qui est arme semi-automatique. Donc voilà, voici la classe que vous avez vue dans les gameplays précédents. Donc le chargeur, 15 cartouches. Puisque le chargeur de base c'est 10 et c'est pas assez. Comme on n'a pas beaucoup de balles, en général toutes les armes on n'a pas beaucoup de balles, il faut absolument optimiser la vitesse de balle avec des munitions haute vitesse pour pouvoir être sûr de toucher plus rapidement ses cibles et pouvoir être sûr d'augmenter le drop de dégâts et donc d'avoir plus de dégâts, enfin d'éloigner le drop de dégâts. Par exemple, si le drop de dégâts il est à, je sais pas moi, 20 mètres, que de 20 mètres vous passez de 50 HP à 30 HP en avec ces munitions haute vitesse, vous avez plus de vitesse, donc déjà la cible vous l'atteindrez plus vite, et ensuite vous pouvez reculer le drop, c'est-à-dire que le drop de dégâts vous pouvez le reculer à 30 mètres, 40 mètres, etc. Et donc l'ajustement c'est le suivant, portée des dégâts et vitesse des balles à fond. Donc voilà, grosso modo, j'ai pas beaucoup de balles, donc je vais optimiser la portée des dégâts et la vitesse des balles sur les quelques balles que j'ai, afin de pas perdre. En l'occurrence, de toute façon, on n'a pas trop le choix, parce que le chargeur maximal, c'est 15 cartouches. Après, accessoire de canon, poignée phase 3. Moi, c'est l'accessoire qui me va le mieux. Après, c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps, avec toujours les mêmes réglages, stabilisation du recul, les contrôles de l'extension du viseur au maximum. En accessoire de bouche, je ne mets rien parce qu'en fait, je mets ce canon qui est le Bull Rider 16,5 pouces, qui me permet donc de ne pouvoir rien mettre en bouche. C'est pour moi le meilleur canon, vitesse des balles, contrôle du recul, portée des dégâts. Pression de tir au jugé, ça on s'en cogne un peu. Mais quand on regarde les statistiques des autres, c'est pour moi le plus intéressant. Et le dernier accessoire, un viseur. C'est quand même une arme semi-automatique au coup par coup, donc il faut pas avoir trop de recul visuel. Donc pour moi il faut prendre un petit viseur à mon goût. Donc moi quand il s'agit des petits viseurs, le Cronen Mini Pro c'est celui qui me va le mieux. Avec du coup toujours le même ajustement. Position de l'œil, on touche pas, visée accélérée au maximum.
Voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay. Ciao, ciao tout le monde.